and the surfers. Just say you be my firefly. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que je suis trop contente de faire. Vous pouvez pas savoir mon excitation à l'heure actuelle, puisque comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est un swap avec Jeanne de la chaîne Un nuage de douceur. Et mon dieu, je suis trop heureuse. J'ai le petit swap qui est là, mais qui est immense. Je vais même pas savoir à quel point ça me fait trop plaisir de faire ce swap avec Jeanne. J'aime beaucoup ses vidéos, j'aime beaucoup sa chaîne, comme je lui ai écrit dans la petite lettre. C'est vraiment une fille qui est pleine de joie de vivre, mais qui est douce. Enfin genre, ses vidéos elles sont pas agressives du tout. Enfin moi je prends plaisir à regarder ses vidéos, je les trouve bien faites. Et en plus de ça, on est trop dans le même délire. Alors je sais même plus comment on s'est connus, je sais même pas. Mais en tout cas maintenant, on se parle tout le temps sur Snap, on se raconte tout le temps nos vies en messages vocaux qui durent des heures. J'aime trop qu'elle me raconte sa vie, moi elle aime trop que je raconte ma vie. Bref, on a vraiment les mêmes délires. Donc c'est trop cool, moi en tout cas je l'adore cette fille. Du coup je suis trop heureuse de faire ce swap avec elle. J'espère trop que moi, ce que je lui ai offert, ça lui plaira. Donc d'ailleurs la vidéo de ce que je lui ai envoyé sera bien évidemment en barre d'infos avec sa chaîne. Pour les petites infos sur le swap, on s'était donné un budget de 150€ à la base, mais qui a été largement dépassé. Puisque pour ma part, dans son swap j'ai mis... 215-220€ environ. Et bon, que voulez-vous, c'est tellement trop bien de faire un swap, c'est tellement trop cool d'acheter des trucs et tout. Enfin moi, en fait j'achetais, je comptais pas, et à la fin j'ai fait la petite addition, j'ai fait oups. Et aussi on s'était échangé nos wishlists, voilà, on avait préparé des wishlists assez conséquentes, avec vraiment des trucs qu'on voulait. Enfin c'est pas un petit swap comme on s'est dit avec des jets douche cottage quoi. C'est vraiment... à la base, voilà, un swap avec des articles de nos wishlists qui sont des vrais wishlists, quoi, des trucs qu'on aimerait vraiment s'acheter, quoi. Donc on va l'ouvrir. A few moments later. Ok, j'ai réussi à l'ouvrir, mon dieu. Tout va tomber. Bref, ça vous donne une petite idée. Alors justement, elle m'a dit qu'elle était obligée de mettre un aussi gros carton à cause de ça, qui prend vraiment beaucoup de place. Mot perso plus menu, il y a marqué enjoy. C'est la petite lettre, comment elle écrit trop bien. Moi je sais pas écrire hein, je vous le dis, j'ai une écriture trop laide. Trop chou la petite lettre, trop mignonne. Tout ce que tu m'as dit c'est réciproque, vraiment. Vraiment je pense la même chose de toi, c'est trop chou. J'espère trop qu'on se verra à la Gate Beauty, j'espère que tu pourras venir et tout. C'est une blague, ça tape des travaux pendant que je filme une vidéo. Petite, je sais pas si vous voyez, en fait elle a écrit en doré menu. C'est trop beau. Alors, c'est parti, je suis trop excitée. Une merveille pour cet été, numéro 1. Déjà le paquet cadeau, je lui ai dit, il est trop beau, il est rose gold, métallisé rose gold, un peu motif python. Alors je suis désolée si vous entendez du bruit, je pense que je vais devoir crier dans cette vidéo, mais voilà, il y a des travaux chez moi. Un vrai plaisir. Karina, il y a une teinte, un rouge à lèvres. Ça commence trop bien. C'est un rouge à lèvres liquide matte Anastasia Beverly Hills. J'en ai jamais testé. Je sais même plus si je lui avais mis sur ma wishlist ou pas. Oh mon dieu, les packagings, ils sont trop beaux. Regardez ça. Trop beau. Oh mon dieu, la pigmentation, les gars. C'est abusé. Oh, j'aime trop. Merci. Je vais faire que dire merci dans cette vidéo, ça va être hyper chiant. J'aime trop les swaps, c'est ma passion. De cette couleur, oh my god, je suis amoureuse. C'est parti. Une couleur, bah un autre rouge à lèvres, je pense. Ah, ça je l'avais mis dans ma wishlist, je suis trop contente. Je l'avais trop mis dans ma wishlist, je voulais trop cette couleur là. C'est encore un rouge à lèvres liquide matte, mais c'est possible d'avoir 4 bandits. Et c'est la teinte Aïcha, enfin je sais pas, je pense qu'on dit ça comme ça. C'est une couleur ultra originale, j'ai trop hâte de la tester sur mes lèvres. Donc voilà, en fait c'est une espèce de parme. Mais là, oh là là, j'aime trop. Ensuite, 3 contouring en flic. Je suis en train de penser à ce que j'avais mis dans ma wishlist pour voir si ça pouvait être ou pas. J'ai mis un truc contouring. Je sais même plus. 3. C'est un pinceau, les gars. Oh ouais. Ah si, je sais. Ça doit être un pinceau Zoeva de mémoire. Si c'est ça. Je suis trop contente, il me fallait 3 pinceaux contouring. Oh trop bien, oh je suis trop contente. Petit pinceau Zoeva. Trop bien. Alors la référence c'est le 109 Luxe
Face Paint. Et je voulais trop un pinceau comme ça. C'est parfait pour le contouring. Oh, ça va être trop bien. Même pour le nez, je voulais trop un pinceau comme ça, genre pour être précise sur le nez. Ensuite, 4. Partout où tu iras, tu le verras. Ah bah oui, 4. 4, c'est ça. Alors, si c'est ce que je crois, je suis trop heureuse. Je pense qu'en fait, c'est une carte du monde à gratter. Ah oui, c'est ça. Ça c'est le petit truc lifestyle du soir. Un membre. Elle est hyper grande en fait. Bon, je sais pas si vous voyez. Un papier blanc, hein, je vous rassure, hein, pour la protéger, mais sinon elle est comme ça. Oh, j'aime trop. Du coup, 5, j'adore, j'adhère, je valide. Ok, bon alors là, comment deviner? Peut-être un autre rouge à lèvres vu le packaging. Oh non, c'est un correcteur, il y a marqué light. Trop bien! Je suis trop contente les amis, c'est un... Oh là là, j'avais bien réfléchi celui-ci. C'est un correcteur Kat Von D. J'espère que la teinte c'est la bonne. Light 3 Warm. Moi ça m'a l'air d'être plutôt pas mal. Mieux vaut que ce soit trop clair que trop foncé, j'ai envie de vous dire. Mais j'ai fait un petit swatch, vous allez rien voir. Il est méga couvrant. Oh là là, comment je suis trop heureuse! Je suis trop heureuse. Ouais non, c'est pile ma teinte. Pile ma teinte. Ensuite 6, la nouveauté qui fait plaisir. Peut-être un rouge à lèvres que j'avais vu de chez Makeup Forever. C'est ça. Comment je suis trop forte, enfin je crois. C'est en fait une peinture à lèvres. Donc un lip paint artist acrylic. Donc c'est vraiment une nouveauté de chez Makeup Forever. Moi j'ai donc la teinte 401. Oh j'aime trop, c'est pile la teinte que je voulais, que j'avais envie de tester. C'est genre un rouge sang. J'aime trop, c'est trop beau. Et effectivement c'est ultra pigmenté et ça donne cet effet brillant, lac. C'est mon coup de cœur du moment. Voilà, je ne sais pas du tout. Il y a un papier mousse là, comme ça. C'est une bougie? Ah ça sent trop bon, c'est une bougie hein, qui fait un deuil. C'est la Sunset Breeze, brise estivale. Donc voilà, trop jolie, orange, je ne l'ai pas. Et je regarde dans le cas où, mais... Oh là là. Ah ça sent le cocktail de fruits là. 8, le dupe parfait du Posikay, je sais pas comment on dit. Le dupe parfait du... Oh là là, bah, trop bien. Ah non, je lui ai mis le même. On adore. Je lui ai mis exactement le même. Le Marvelous Mauve de Sephora. C'est vraiment une super belle couleur. Moi j'adore les rouges à lèvres mat sans transfert là. Rouge velouté sans transfert de chez Sephora, ils sont excellents. Oh, je suis amoureuse. Alors là, trop belle. C'est un vieux rose là. Un peu, il y a un peu de gris dedans. Ensuite, 9, je veux la même. 3 points d'exclamation, mon dieu. Qu'est-ce que c'est? Oh, trop bien. Alors là, oh, je suis trop contente. Encore un petit truc lifestyle. Une coque de téléphone. iPhone 6, iPhone 6S. Donc parfait pour mon téléphone. Elle est vraiment trop canon. La petite que tu voulais tester. Un blush Non, non, la petite. Ça doit être une poudre. Trop bien. Une poudre. Vous êtes d'accord que c'est le truc où t'en as jamais assez, des poudres matifiantes. Oh, trop cool. C'est une poudre compacte matifiante. 8 heures. Elle est super douce, très pigmentée. Elle est un peu foncée et pourtant c'est la teinte Clair Light 21. Donc, trop bien. Merci beaucoup Jeanne pour ce dernier petit cadeau. On finit sur une bonne note. De toute façon tout m'a plu clairement. Tout est bien. Je suis trop ravie de ce swap. Vraiment mais merci infiniment Jeanne pour tout ce que t'as. Voilà, je suis trop contente. J'espère sincèrement que mon swap te plaira autant que le tien m'a plu. J'ai trop hâte de voir ta vidéo. N'hésitez pas à partager, à nous dire aussi ce que vous avez envie de vous acheter en ce moment, pourquoi pas. Et de vous abonner à ma chaîne et celle de Jeanne qui sera en barre d'infos. Ça fait toujours plaisir d'être soutenu. Sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci à toi Jeanne encore une fois. Et à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous. You be my firefly. Take everything or nothing else.